Bonjour, alors on est là sur à Saint-Martin-de-Londres donc pour le marché de Noël. Alors on a déjà vu Julie qui nous l'a présenté. On a aussi l'association des parents d'élèves avec Anne qui va nous dire deux mots et nous dire quelle est l'ambiance aujourd'hui. Est-ce que ça se passe bien ? Eh ben, ça se passe plutôt bien, on est assez contents. On a eu pas mal de personnes qui sont passées sur notre stand depuis ce matin. Nous on vend des crêpes et des gâteaux qui sont confectionnés par les parents pour reverser des sous après aux écoles, pour faire des activités, et on est assez contents, oui. Alors en plus, avec la température qu'il fait, je pense que les crêpes, ça doit être très apprécié. Oui, plutôt, oui. C'est sûr que les gens aiment bien une petite crêpe chaude, surtout qu'elles sont excellentes, les nôtres. Alors Julie, l'association Saint-Martinoise et bénévole de l'association. De son prénom, Thomas. Thomas. Voilà. Alors Thomas, puisque toi tu es frustré parce que Julie a déjà parlé, alors comment ça se passe pour votre association? Mais ça se passe très très bien, on a passé nous la journée derrière à faire les marrons chauds, et puis bah, là on va partir sur la saucisse aligot de ce soir, donc on va se lancer. Donc Julie, tu es satisfaite? Très belle journée, très beau temps, plein de belles animations, beaucoup de monde, les assos ont toutes fonctionné et l'exposant aussi, donc ouais c'est chouette. C'était une belle journée et votre interview nous a bien aidé. En plus Il ne pleut pas et ce soir le feu d'artifice va être magnifique. Exceptionnel, c'est ça. Et il ne pleut pas parce que j'ai fait la danse du soleil, j'avais dit à Willy. J'ai fait la danse du soleil, il ne pleut pas. Et oui, on attend un bel embrasement à 19h30, c'est ça. Monsieur le maire, alors ce marché de Noël, ça a l'air d'être une réussite sous l'impulsion d'associations très actives. Tout à fait, une association qui est très active, qui a été la présidente a changé récemment. Aujourd'hui, c'est un marché qui nous tenait à cœur, nous, de bon, vu de cette crise sanitaire qui n'a pas été. Ça n'a pas été fait. L'an dernier, on a fait un petit marché, mais bon, la conjoncture n'était pas si bien. Aujourd'hui, ce marché, ben, il y a aujourd'hui 43 ou 47 exposants. Notre objectif, nous, c'était de le faire au cœur du village. Aujourd'hui, créer une animation au cœur du village. Les années précédentes, ça se faisait à l'extérieur, du côté du gymnase. Et là, on a un très beau village et on a tenu à le faire ici. Donc aussi patrimoine. Il y a du côté patrimoine, justement la tour sera prête à embraser, donc qui est une tour qui est magnifique, un patrimoine aujourd'hui de la commune qui, quand même, quand on connaît la commune, qui est exceptionnelle un peu. Vous avez eu beaucoup de monde? On a eu beaucoup de monde, oui. Toute la journée, depuis ce matin, 10h30, que le marché est ouvert, on a eu constamment du monde. On voit encore maintenant dans les allées, c'est presque 18h, il y a encore du monde. Et c'est très agréable. Il y a eu pour manger, pour rester sur place. La restauration, je crois que c'est très bien. Et la Ligo saucisse. Et ce soir, la Ligo saucisse, parce que c'est aussi une première. D'habitude, le marché se terminait, chacun rentrait chez soi. Et là, ce soir, on va partager un moment ensemble avec une bonne Ligo saucisse. Mais le principal, c'est de partager un moment ensemble. C'est pas tant le repas, c'est pas le plus important. Quoi. Voilà. Et en plus, le temps était là, il fait un peu froid, mais il y a eu le soleil, il n'y a pas eu de pluie et le vent n'y est pas non plus. Voilà, je crois qu'on a réussi. Hein. La météo n'était pas favorable au départ. Hein. Au départ, on devait avoir une météo un petit peu avec de la pluie ce matin. On n'a pas eu ça. Le froid, c'est pas grave. On s'adapte, on arrive à se couvrir, à se protéger. Mais je crois que voilà, c'est très bien. Jusqu'à 19h30, je pense qu'il y aura une belle animation. Donc vous êtes un maire heureux. Un maire très heureux de voir tout ce monde au cœur du village et tous réunis. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde à l'embrasement. Et puis et ce soir à la Ligo, pareil.